à tous et à toutes, nous vous présentons encore nos chaleureuses salutations. Voilà, nous avions promis quand même de continuer les courants littéraires, mais avec la demande assez forte des internautes sur la versification, on est obligé quand même de faire volte-face et entamer la versification parce que lors du début des enregistrements, c'était nous seulement, mais maintenant, c'est vous. Autrement dit, vos désirs sont des ordres. Alors très rapidement, nous nous plongeons dans l'essentiel. Comprenez une chose, la versification fait souvent l'objet de la première évaluation dans le cycle secondaire. Autrement dit, la seconde, la première et la terminale. Mais avant de continuer, soyez sûr et dites-vous que vous êtes en phase de la poésie. Parce qu'il dit versification, dit poésie. Alors, la première question que l'on se pose, qu'est-ce que réellement la versification ? Alors, dans cette phase, il y a plusieurs définitions. Mais souvent, la définition la plus simple est la suivante. L'élève dira, la versification, c'est l'étude des vers. Justement, qu'est-ce qu'un vers ? Un vers, c'est un ensemble de syllabes ou de pieds formant une unité. Qu'est-ce que vous entendez par la syllabe ? Ce sont les expressions qui nous permettent ce qu'on appelle de prononcer. Par exemple, la mesure. Là, vous avez une, deux, trois, par exemple. C'est ça qu'on appelle syllabe. On peut aussi dire pied, formant une unité. Cela veut dire que l'ensemble de ces vers nous permet de décrypter le nom des vers. On peut avoir un alexandrin, c'est-à-dire un vers de 12 pieds. On peut avoir un octosyllabe, vers de 8 pieds. On peut avoir un décasyllabe, vers de 10 pieds. On peut avoir l'hexasyllabe, 6 pieds. Le quadrisyllabe, 4 pieds. Le dissyllabe, 2 pieds, etc., etc. Là, vous comprenez que je suis en train de démontrer le vers pair. Qu'est-ce qu'un vers pair? C'est un vers divisé par 2. On peut aussi avoir les vers impairs, c'est-à-dire l'indécasyllabe, un vers de 11 pieds. L'énéasyllabe, 9 pieds. L'hexasyllabe, vous avez le septasyllabe, vous avez 7 pieds. Pentasyllabe, vous avez 5 pieds. Et le tétrasyllabe, vous avez 3 pieds. Et un seul pied, on l'appelle le monosyllabe. Alors, ici, nous avons décrypté, effectivement, qu'est-ce qu'un vers. Mais la question la plus importante dans cette phase est la suivante. La versification est composée de combien d'axes? C'est très simple. Comme vous le voyez ici, la versification tourne autour de trois grands composants. Lesquels? Nous avons la mesure, nous avons la rime, nous avons le fameux rythme. Aujourd'hui, la mesure risque de nous intéresser. Autrement dit, l'objet sera axé autour de ça. Alors, qu'est-ce que la mesure? Justement, la mesure, c'est la longueur du vers. La mesure nous permet de détecter exactement la longueur du vers. Est-ce que c'est un vers de 13 syllabes? Est-ce que c'est un vers de 12 syllabes? Est-ce que c'est un vers de 8 syllabes? Est-ce que c'est un vers de 9 syllabes? Etc, etc, etc. Mais comprenez une chose. La mesure obéit à des règles. Cela veut dire que l'élève n'a pas le droit de mesurer n'importe comment. Alors la question que le camarade soulève est la suivante. Comment mesurer? La mesure obéit à des règles. Alors, quelles sont les règles qui tournent autour de la mesure? D'abord, nous avons la règle du un mouillé. Justement, qu'est-ce qu'un un mouillé? Un un mouillé, c'est un E qui est toujours placé à la fin d'un mot. Mais il se prononce distinctement. Autrement dit, en lisant le mot, on sent le un mouillé dans la prononciation. Par exemple, mesure, ça c'est un un mouillé. Rime, ça c'est un un mouillé. Rythme, ça c'est un un mouillé. Ensemble, ça c'est un un mouillé. Vous avez règle, ça c'est un un mouillé. Alors, mais comprenez une chose, il y a trois types de omouillés. Quels sont les trois types de omouillés? Nous avons d'abord un omouillé tout court. Nous avons la marque ES. Nous avons la marque NT. Alors, quel que soit ce E à la place où il est occupé, il s'appelle un omouillé. Mais le ES et la marque NT sont considérés comme des omouillés que s'ils sont placés à la fin des vers. Mais si ces derniers sont placés en début ou bien à l'intérieur des vers, on les considère plus comme des omouillés. Alors, maintenant, la première règle qui tourne autour de ces omouillés, c'est le omouillé à la fin d'un vers ne se prononce pas. C'est là, on verra tout à l'heure. Deuxièmement, je me suis arrangé pour dégager la deuxième règle. Le omouillé à la fin d'un mot ne se prononce pas s'il est suivi d'une voyelle. Je me suis arrangé pour dégager la troisième règle. Le E mouillé à la fin d'un mot se prononce s'il est suivi d'une consonne. Dans ce cas, l'élève a devant lui les trois règles qui ont été dégagées. La première, j'ai clairement dit, le E mouillé à la fin d'un vers ne se prononce pas. La deuxième, le E mouillé à la fin d'un mot suivi d'une voyelle
ne se prononce pas non plus. La troisième, le e mouillé, à la fin d'un mot, se prononce s'il est suivi ce qu'on appelle d'une consonne. Dans ce cas, l'élève posera la question exemple. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé ce vers du grand Victor Hugo lors de la guerre du Vietnam, quand il parle quand même de son père. Parce que là, quand Hugo était en guerre, pour élargir un peu les explications, qu'est-ce qui s'était passé à Vietnam justement? Parce qu'il y avait un soldat qui était à terre, qui faisait le mourant. Alors, Hugo était très réticent, mais son papa lui a demandé de lui donner de l'eau pour que ce soldat puisse boire. Très rapidement, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il s'approche de ce soldat a voulu le tuer. Et son papa très rapidement a tiré sur le soldat. C'est la raison pour laquelle Hugo s'est inspiré de cette guerre pour dégager cette verre. Si vous lisez, donne-lui tout de même à boire, dit mon père. Dans ce cas, le plus important est le suivant. Comment décomposer le verre avec les trois règles dont je viens de citer? Très rapidement, l'élève place la barre ici, 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 ici. Et là, attention, ce E moyen ne se prononce pas parce qu'il est suivi d'une voyelle. C'est-à-dire, ce E ne se compte pas. Alors, nous avons boire, dit mon père. Ici, l'élève n'a pas le droit de décomposer le verre parce que le E moyen est placé à la fin du verre. Si vous placez la barre entre le E et le RE, vous risquez d'avoir le R tout court et le R tout court, c'est une consonne. Autrement dit, une consonne ne constitue jamais une syllabe. Alors là, n'oubliez pas, avant de revenir sur le E moyen, de numéroter les verres. Un pied 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et le compte est bon. Je reviens sur ce que j'avais dit. Ici, le E moyen ne se prononce pas. C'est la raison pour laquelle on a laissé. Parce que si l'élève place la barre ici, très rapidement, on enlève le E, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle le R. Et le R est une consonne. Une consonne ne constitue pas une syllabe. Même s'il y avait le S ici, ça ne change pas. S'il y avait la marque NT non plus, ça ne change pas. Mais ici, on a clairement dit que si le E mouillé est suivi d'une voyelle, il ne se prononce pas. Autrement dit, prenez la voyelle qui suit le E et vous les mettez ensemble. Comme ça. C'est ça qu'on appelle le E mouillé à la fin d'un mot ne se prononce pas s'il est suivi d'une voyelle. Là aussi, vous avez le E mouillé à la fin d'un mot se prononce cette fois-ci s'il est suivi d'une consonne. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous avez un E mouillé, pour résumer d'une manière très brève, si vous avez un E mouillé suivi d'une consonne, placez la barre juste après le E. Si vous avez un E mouillé suivi d'une voyelle, ne placez pas la barre. Prenez la voyelle qui suit le E mouillé et vous les mettez ensemble. Alors, là, il y a une quatrième règle du E mouillé. Quelle est cette règle? On vous dit que le E mouillé, à la fin d'un mot, ne se prononce pas s'il est suivi d'un H, s'il est suivi d'un H mouillé. Alors, dans ce cas de figure, comment décomposer? L'argent, un honnête homme, et rige. Excusez-moi, ça c'est le E mouillé suivi d'une voyelle, c'est l'erreur. Maintenant, l'élève fait le décompte. Un pied, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et le compte est bon. Alors, dans ce cas, ici, vous avez vu que c'est ça, c'est cette même règle-là. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette règle-là. Le E mouillé, à la fin d'un mot, se prononce s'il est suivi d'un H, d'un H mouillé. Dans ce cas, c'est comme c'est la même règle. Ce sont les deux, c'est la même règle. Ça, c'est un E mouillé suivi d'une voyelle. Ça, c'est un E mouillé suivi d'une voyelle. Ça, c'est un E mouillé suivi, ce qu'on appelle d'un H mouillé. Il ne se prononce pas. Alors, avant de continuer, réglons un peu ce qu'on appelle trois détails. Quels sont les trois détails qu'il faut régler? Réglons d'abord le problème de la doublure des consonnes. Si les consonnes sont doublées dans un mot, alors que le mot se trouve en demi de vers ou bien en milieu de vers, il faut tout faire pour séparer les consonnes. Autrement dit, on ne met jamais deux consonnes ensemble. Mais si jamais ce mot, par exemple, homme, se trouve à la fin du verbe. Dans ce cas de figure, l'élève n'a pas le droit de le décomposer. Le pourquoi? Parce que là, on a fait appel à la règle du homme placé à la fin d'un verbe. Il ne se prononce pas. Deuxièmement, l'homme compte deux syllabes possibles. Donc, on laisse comme ça. Très rapidement, parce que si jamais l'élève décompose ici, on enlève le E. Je l'ai dit tout à l'heure dans mes explications, j'ai clairement dit qu'une consonne ne peut pas construire une syllabe. C'est la raison pour laquelle, si vous avez deux syllabes possibles, alors que le mot est placé à la fin du vers, très rapidement, laissez ce qu'on appelle ce mot, ne le décomposez pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le problème de l'apostrophe. Chers amis, comme je vous appelle affectueusement, l'apostrophe ne constitue jamais une syllabe. N'importe quel mot. Que ce soit l'apostrophe, M apostrophe, N apostrophe. Ça ne constitue jamais une syllabe. La preuve, très rapidement, si on dit mais ou bien on dit ni. Là, l'élève se pose la question. Pourquoi l'apostrophe justement? Parce que si vous faites un peu attention, tous les mots apostrophés
sont suivies d'une voyelle ici. Très rapidement, on considère que l'apostrophe est considérée comme un mouillé et c'est cette règle qui surgit. Le un mouillé, à la fin d'un mot, ne se prononce pas s'il est suivi d'une voyelle. Autrement dit, si vous avez l'apostrophe, prenez la syllabe qui la suit et vous les mettez ensemble. C'est comme ce qu'on appelle cet argent-là. Il y a aussi, les gars, les petites expressions. Lesquelles? Par exemple, on peut avoir été, on peut avoir une, on peut avoir avec, on peut avoir il comme ça, comme on peut avoir il comme ça. Dans ce cas, on prononce été, vous avez deux syllabes. Une, vous avez deux syllabes. Avec, vous avez deux syllabes. Mais réglons ce problème de ces deux-là. Si vous avez il comme nom, comme l'île de Gorée, dans ce cas, il faut décomposer ce mot en deux syllabes. Mais si vous avez il comme sujet, ne touchez pas. Mais si jamais il est placé, ce il-là, il le connaît, est placé à la fin du verbe, c'est cette règle-là, il ne faut pas le décomposer. Donc, versification, c'est pour vous dire que égale prononciation. Alors, en grosso modo, ça c'est la règle du omouillé. Mais deuxièmement, toujours autour de la mesure, nous avons cette deuxième règle-là. Comment on appelle ces règles? Ces règles, on les appelle les procédés de mesure. Nous avons trois procédés de mesure. Lesquels? Nous avons ce que j'appelle souvent les sœurs ennemies. Qui sont ces sœurs ennemies? Nous avons la fameuse diérèse et la fameuse synérèse. Maintenant, pour comprendre la diérèse et la synérèse, trois questions méritent d'être soulevées. Lesquelles? D'abord, quand est-ce qu'il y a possibilité de diérèse? Ça, c'est la première question. Ça, c'est un. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que la diérèse ou bien qu'est-ce que la synérèse? Ça, c'est la deuxième question. Et la question la plus plausible, la plus importante est la suivante. Quand est-ce qu'il y a obligatoirement diérèse ou bien synérèse? Dans ce cas, l'élève doit faire un discernement ou bien une distinction, si je puis m'exprimer ainsi. Quelle est la différence entre possibilité et obligation? C'est-à-dire, la possibilité, c'est une probabilité. Rien n'est sûr. Mais quand il y a une obligation, tu n'as pas le choix. Alors, dans ce cas, quand est-ce qu'il y a possibilité, les gars, de faire appel à la diérèse ou bien à la synérèse? Il y a possibilité de faire appel à la diérèse ou bien à la synérèse si nous avons la diphtongaison. Alors, l'élève va poser la question. Monsieur, mais justement, qu'est-ce que la diphtongaison? Écoutez bien ce que je vous dis. La diphtongaison n'est que la rencontre de deux voyelles distinctes à l'intérieur d'un mot. Alors, dans ce cas, l'élève, il sait qu'effectivement, s'il s'agit, par exemple, d'un mot où les voyelles sont à l'intérieur, autant pour moi, très rapidement, si vous ne sentez pas ce qu'on appelle cette prononciation, on ne peut pas avoir ce qu'on appelle la diphtongaison. Par exemple, les voyelles diphtongues sont IE, IE, IO, IA, OE, etc. Par exemple, si on dit fier, on entend les deux. Ça, c'est une diphtongaison. Lueur, on entend les deux. Ça, c'est une diphtongaison. Lion, on entend les deux. C'est une diphtongaison. Tant que vous n'avez pas ça, la diérèse et la synérèse ne sont pas possibles. Alors, très rapidement, si nous entrons autour de la deuxième question, qu'est-ce qu'une diérèse? Qu'est-ce qu'une synérèse? C'est la raison pour laquelle je les surnomme d'abord les sœurs ennemies. Alors, la diérèse, il y a diérèse lorsqu'on prononce deux syllabes au lieu d'une. L'élève nous dira, donc si nous avons la diérèse, monsieur, il faut placer la barre entre les deux voyelles diphtongues. La réponse est affirmative, c'est ça qu'on appelle ces internautes la diérèse. Maintenant, puisque la diérèse est l'antonyme de la synérèse, si vous avez la synérèse, il ne faut pas décomposer le mot parce que la synérèse, c'est lorsqu'on prononce une syllabe au lieu de deux. Donc vous avez ce qu'on appelle, comme ça, là, en haut, ici, vous avez la diérèse, excusez-moi, en bas, vous avez ce qu'on appelle la synérèse. Donc synérèse, on ne décompose pas. Si vous avez la diérèse, il faut décomposer. Maintenant, la question la plus importante, quand est-ce qu'il y a obligatoirement qu'il pleut ou qu'il laisse la diérèse ou bien la synérèse? Comme certains élèves confondent, ils croient qu'à chaque fois, si vous voyez la diérèse ou bien la synérèse, il faut les appliquer. Non. C'est-à-dire, on applique la diérèse et la synérèse pour avoir ce qu'on appelle un verbe pair. Qu'est-ce qu'un verbe pair, justement? C'est un verbe divisible par deux. Par exemple, si on dit A, comme le bac de deuxième, au deuxième tour, le bac de 2016, à offrir en prière. Alors, la question a été posée à mes camarades. Quelle est la question qui a été posée? Quel est le procédé de mesure utilisé au niveau du vers 6 pour obtenir le même nombre de syllabes? Forcément, ça serait la diérèse parce qu'il fallait avoir ce qu'on appelle 6 syllabes. On va voir. 6 syllabes, c'est un verbe pair. On appelle l'hexasyllabe. À offrir en prière. Regardez.
Ça, c'est la diphtongaison. Nous avons placé la barre, ça devient ce qu'on appelle la diérèse, comme j'avais dit tantôt. Maintenant, un pied, deux pieds, trois pieds, quatre pieds, cinq pieds, six pieds, et vous avez ce qu'on appelle l'exacilam. N'importe quel verre que vous avez utilisé la diérèse, vous avez fait appel à la cinérèse, quel que soit alpha, qu'il pleut ou qu'il neige, le verre doit être pair. Maintenant, après la diérèse et la cinérèse, il y a ce qu'on appelle la troisième phase qui n'a rien à voir avec la diérèse et la cinérèse. Comment s'appelle cette phase? Cette phase s'appelle l'hiatus. Alors, qu'est-ce que l'hiatus justement? L'hiatus, c'est la rencontre de deux voyelles. Écoutez bien ce que je vous dis. L'hiatus, c'est la rencontre de deux voyelles à la frontière de deux mots et qui n'appartiennent pas à la même syllabe. J'ai bien dit la rencontre de deux voyelles à la frontière de deux mots et qui n'appartiennent pas à la même syllabe. Alors, si on dit qu'ils n'appartiennent pas à la même syllabe, très rapidement, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'ils n'appartiennent pas à la même syllabe. Excusez-moi d'avoir abrégé parce que nous sommes en train de jouer avec le temps quand même. Alors là, qu'est-ce que cela veut dire? Regardez bien, la rencontre de deux voyelles à la frontière de deux mots, c'est comme si ça c'est le Sénégal, ça c'est la Gambie. Nous avons ce qu'on appelle cette frontière-là. Le Sénégal s'arrête là, la Gambie démarre ici. Alors, maintenant, les deux voyelles sont là. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous avez l'hiatus, la première voyelle, si elle est détachée, elle constitue une syllabe. C'est la raison pour laquelle c'est ça qu'on appelle la règle de l'hiatus. Encore une fois, c'est la rencontre de deux voyelles à la frontière de deux mots qui n'appartiennent pas à la même syllabe. Autrement dit, à chaque fois, la voyelle détachée devient ce qu'on appelle une syllabe à part et vous avez l'hiatus. Mais, il ne faut pas dire qu'à chaque fois, la voyelle doit être placée en premier, avant ce qu'on appelle l'autre voyelle. Non, on a d'autres exemples. Par exemple, si on dit « il partira à Paris », par exemple. Là, si l'élève fait un peu attention, il a vu que le A est placé devant. Mais cette fois-ci, le A est placé après. Par exemple, il partira à Paris. Regardez bien ici. Ça, c'est l'hiatus. Ça, c'est l'hiatus. Maintenant, la remarque est très pertinente. Au niveau de ce qu'on appelle de la peur, du premier exemple, le A est placé devant. Au niveau du deuxième exemple, le A est placé et suit ce qu'on appelle cette syllabe-là. Donc, ne dites jamais que je dois d'abord avoir ce qu'on appelle A avant d'avoir ce qu'on appelle l'autre voyelle. Autrement dit, tout dépend de ce qu'on appelle du verbe qu'on a proposé. Nous sommes obligés de nous arrêter là. Donc, on vous donne rendez-vous d'ici quelques temps parce que nous savons que c'est bientôt les évaluations des classes de terminale. Rendez-vous dans quelques jours, encore une fois.